Oh, ce petit bruit. Ah, je l'aime beaucoup, ce petit bruit. Hein. J'ai jamais eu diamant et perle. J'ai toujours eu platine, donc c'était un bruit totalement différent et beaucoup plus violent. Bref! Bonsoir à tous, bonsoir Scorio, bonsoir Killy Please, bonsoir Red Slime, bonsoir Shyfish SMM2, bonsoir Dias YouTube, bonsoir Mass qui dit finalement j'aime le jeu. Oui, bon, finalement j'aime le jeu. Merde, le titre du live. Ah merde, le titre du live, j'ai envie de crever. Putain, j'ai dû faire à la va-vite parce qu'en fait j'ai testé un truc pour General Mass, mais le truc se bloquait à 99%. Du coup, j'ai même pas pu tester le truc que m'a proposé de tester General Mass. Bref, bonsoir Glursbge, bonsoir TheMat06, salut Gecko Clem, attends-toi, tu veux pas te battre? Ah bah bien sûr que tu te battre. Let's go au combat. Désolé hein, pour le retard. Bonsoir Kill Me Please. J'ai déjà dit bonsoir. Bonsoir Belvito. Je vous propose quelque chose. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus le droit d'être en retard sur mes lives. C'est-à-dire que j'ai le droit de lancer mes lives à 18h, 17h59, mais pas 18h01. Si il est 18h01 quand je lance mes lives, eh bien je vous propose quelque chose de totalement innovant. Eh bien je ferai un sub. Voilà. Si un jour vous considérez que je suis en retard, vous me dites, mais t'es en retard là. Et moi je vous dirai, ah bah oui, je suis en retard. Et du coup, ça part en sub quoi, ça vous va? À partir d'aujourd'hui, calmez-vous, pas de sub aujourd'hui quand même, parce que il me faut de la thune. Oui, vous aimez les subs? Quel sac. Oui, mais je suis désolé, Mas, vraiment, tu vas me détester, hein, mais j'ai essayé de l'installer, ton machin. J'aurais peut-être dû, quand je vois que ça s'est bloqué à 99%, essayer de le désinstaller pour le réinstaller. Mais il veut pas, il se bloque à 99%, le truc que tu voulais que j'installe. Ok, ah oui, notre équipe, elle était composée de Claude François, de Barbara, de Véronique Sanson, de Serge Gainsbourg, de Sheila et de Balavoine. Notre but, c'est qu'aujourd'hui, on fasse évoluer ou Véronique Sanson, ou Sheila, ou Barbara. Barbara, ça peut le faire parce qu'il faut juste une pierre nuit. Véronique Sanson et Sheila, ça se passe à coup de level. Donc, normalement, ça devrait le faire. Je n'arrête pas le live tant que j'ai pas fait évoluer un des deux. Et du coup, on va plutôt envoyer Véronique Sanson au combat vu qu'elle est type haut sur type roche. Ça va faire beaucoup plus de dégâts. Let's go. En avant, Véronique Sanson. Ouh putain, c'est un sacré défi que tu te proposes. C'est très difficile. Je sais que je dois être à l'heure et c'est difficile d'être à l'heure. Hein. Enfin, surtout pour moi. Mais voilà, à partir de maintenant, je vais essayer de faire gaffe sur mes lives et d'être à l'heure, bordel. Je vous dis tous les jours à 18h, et là, je me suis permis d'arriver à 18h03, quoi. Mais en même temps, c'est parce que je faisais des tests et tout ça, hors live. Voilà, j'ai une excuse, c'est parce que je travaille pour General Mass, voilà. C'est de la faute à General Mass, vous pouvez le remercier, c'est de sa faute. Bref. Ah, Shyfish qui dit, donc, finalement, on n'est pas malade. Et bien sûr que non, finalement, j'ai pas la gastro. Quand j'ai dit que j'avais la chiasse sur le stream de Glouglou, évidemment, c'était pas réellement vrai. C'était pas vraiment vrai. Vous voulez que je vous baisse un peu le son? Il me semble un peu fort pour vous, non? Ah, il me semble clairement un peu fort. Attendez, je vais vous le baisser. Oh, défi de la mort! Oh, défi de la mort qui repasse sub pour le troisième mois. Putain, j'ai l'impression que t'as resub il y a genre 2 semaines. Mais merci pour le troisième mois. Salut, je passe juste pour me resub. Mais c'est trop gentil de claquer ton prime ici. Beaucoup trop de sympathie. J'y peux rien si tu te lèves à 17h59. Mange tes grands morts, Mass. Hein. Je me suis levé, il était 15h20. Hop, je vous ai rebaissé un petit peu le jeu. Personne ne monte de niveau? Non, personne. Ok. Mange tes morts, Mass. Maintenant, c'est ta puissance qui me fait peur. Tu vois mon énorme Chibrax, comme il fait peur. Et merci Gecko Clem pour l'hébergement, c'est trop gentil, trop de sympathie par ici. Donc, c'est pas du tout ici qu'on doit aller, à la base. Là, on est juste sous la piste cyclable, c'est un passage bonus. Grotte des égarés. Oh là. Il faut la capacité flash, ça je reconnais, moi. Je peux pas y aller à ce moment-là du jeu, je crois. Enfin, si, je peux, mais ça serait tricher. Parce que j'ai pas la capacité flash. Bonsoir Manabé, bonsoir tout le monde. Qui dit nul, LMDM nul Pokémon. Mais il est trop bien ce jeu. Je sais que j'ai craché sur la 4G, mais finalement ce jeu il est bien. J'ai pas la capacité force. Ok, ici je peux y aller ou pas? Oh, combat. Putain, j'ai l'impression que dans les grottes par contre les combats ils mettent du temps à charger. Oh, Archéomir. C'est un dessous de plat. Alors, est-ce qu'il y a un dessous de plat? Est-ce que vous avez une idée de chanteuse ou de chanteur français qui ressemble à un dessous de plat? Ouais, non, j'en ai pas vraiment. Putain, t'as déjà plus de 30 000 points de chaîne. GG Shyfish d'ailleurs, pour les récompenses de points de chaîne, j'ai augmenté leur prix et je vais bientôt en rajouter d'autres. C'est ce qui est prévu en tout cas. Imaginez que j'aille dans équipe, que j'aille prendre Serge Gainsbourg. Parce que feu sur acier, bah tant mieux. Hein, let's go, bonsoir Astromat. Comme ça, on déboîte le Pokémon en face et puis ensuite on va vite essayer de dégager Claude François de notre équipe. Enfin, pas de le dégager, mais de l'échanger à la place de quelqu'un d'autre parce qu'il est trop dans la merde. Jean Lassalle. Non, pas Jean Lassalle! Putain, je les rename que en fonction de chanteurs de variété française, bordel. Je vous déteste, hein. Allez hop, roue de feu. Ne te frappe pas dans ta confusion, s'il te plaît. Ok, merci, t'es un boss. Je t'aime. Let's go, Archéomir, ça dégage. Je le capturerai pas parce qu'il pue la merde, hein. C'est quoi, Jean-Paul? Ben, Jean-Paul, déjà, c'est écrit avec deux L. Et Jean-Paul, c'est une idée de Gleur. C'est comme ça que j'ai rename le sondage. Parce qu'avant, ça s'appelait le sondage à la con. Mais maintenant, le problème, c'est que Twitch, visiblement, ils ont fait une mise à jour. Et on peut plus mettre à la con. A-L-A-K-O-N. Visiblement, le mot à la con ne passe plus. C'est considéré comme un mot banni.
Donc bah du coup j'ai dû l'appeler Jean-Paul. Voilà, Jean-Paul c'est... Bah au pire si t'étais intelligent Shyfish, tu cliquerais sur Jean-Paul et il y aurait une description de ce que c'est en fait. Et salut Black Cat aussi. Attendez, on va faire quelque chose. Allez dans équipe. Et équipe, déplacer. Barbara est déjà au level, Gainsbourg aussi, Sheila elle est useless en combat. Donc là vaut mieux Véronique Sanson. On met Sanson en début, voilà, elle va gagner un max de level, j'espère. Je vais où là? Qu'est-ce que je fais? Ok, visiblement c'est par là. Pour l'instant, voilà, je suis pas trop bloqué. Là, il y a un passage là, je reconnais moi. Je suis pas ta mère moi. La musique elle est stressante. On dirait il va se passer des choses. On dirait je vais me faire attaquer par la mère de Gleur. Salut Romix le Thermomix. Oh putain, combat. Archéomir ou pas? Archéomir, je le déboîte. Oh, quoique, non, bah non, j'ai pas. Ah non, j'ai pas d'attaque de type feu en fait sur mon Mist Boué. Oh la merde. Enfin, Mist Boué. Sur Véronique Sanson, pardon. Paul en anglais égale sondage. Oui, voilà, mais il y a des gens pas très intelligents. Oh, j'avais morsure, mais bordel. Je suis vraiment une merde, hein, n'hésitez pas à me le dire. J'ai attaque morsure, j'utilise même pas. Et Bingux qui dit salut, comment va? Mais je vais très bien. Il bloque la capacité pistolet à eau? Non. Bah, m'en fous, j'utilise morsure. Et ça déboîte. Il a eu la trouille en plus, let's go! On le termine avec une deuxième morsure. Allez, monte d'un level s'il te plaît, Véronique Sanson. C'est ton moment. Oh, j'adore Mist Boué qui a une double queue. Je vais me concentrer aujourd'hui un peu plus sur le chat ces derniers jours. Je loupais littéralement, genre, il y a un message sur 10 que j'arrivais à louper, comme un con. Donc, je me suis pris des remarques là-dessus. Donc, je vais essayer de me focus un petit peu plus sur mon chat. Oh! Oh non, c'est même pas la dresseuse qui m'a attaqué, c'est littéralement un random. Bon, au moins, je vais le déboîter one shot. Ok. Ah non, putain, j'allais dire si je one-shot pas ce Rakayu, c'est vraiment que je suis une merde, mais non. On n'oublie pas que Rakayu a la capacité fermeté, donc en fait, il n'y a aucune possibilité que je one-shot. Sauf avec une attaque qui mettrait plusieurs coups, mais ça marche pas. Attends, quoi, d'où il n'y avait pas fermeté? Oh, c'est un Rakayu de merde en plus, bon, let's go. Sale méchant, pardon de louper vos messages de temps en temps. Véronique Sanson passe au niveau 22, une potentielle évolution de Véronique Sanson ou pas? T'as loupé mes messages, c'est impardonnable, mec. Ah, je sais, hein, je suis vraiment un monstre. Oh, combat double, let's go. Ça me va. Des combats doubles, je crois que c'est la génération qui en compte le plus, la 4G. Finalement, tant mieux, parce que c'est un type de combat qui est cool, c'est dommage parce que c'est un peu long. Armulis et Blindalis, ça pue la merde. A la rigueur, si après il m'envoie Papinox Charmion, ça peut être rigolo, mais Armulis, Blindalis comme ça, juste ça, ça sent la bite. Hein. Morsure. Sur Blindalis. Et Cruel. Sur Blindalis. On tente, hein. Barbara Cruel. Barbara qui déboîte tout. Félicitations Barbara. Avec le chapeau en plus, ça fait vraiment comme la chanteuse, c'est insane. J'adore. La personne qui m'a proposé l'idée de rename Cornèbre en Barbara, c'était vraiment un boss. Comment ça, c'est Gleur de Gueux? Ouais, c'est Gleur, effectivement. Scorio utilise... quoi, armure? Non. Ils vont pas spammer les armures, les blindalis, c'est bon, hein, niquez-vous. Hein. Armulis. Hop, Cruel. Non, Becvry, on avait dit. Becvry sur Papinox, parce que c'est un type insecte et du coup, ça va le one-shot. Parfait, let's go! Papinox KO. Il reste plus qu'un petit Charmillon à déboîter et c'est bon. Allez les gars, je vous aime bien, mais je vais vous laisser, je passerai. Mais y a pas de soucis, Bingux. La bise à toi, merci beaucoup d'être passé. Et sache que je te déteste, voilà, tout simplement. Bah la voix est niveau 25. Est-ce que quelqu'un dans le chat aurait une info chat? Enfin, non, pas une info chat du coup, mais genre aurait une info vérifiée, à coup sûr, à 1 milliard de %. Genre, à quel niveau évolue Etour Vol en Etour Raptor? J'aimerais bien savoir. Parce que là, ça va arriver bientôt, je pense, non? À moins que non, vu que c'est une évolution de stade 3, peut-être que c'est genre niveau 35, c'est loin en fait, peut-être. Non, c'est peut-être c'est très très loin. Niveau 32, ouais, voilà, Shizuka, ok, merci. Ouais, c'est vraiment loin. D'ailleurs, bonsoir Shizuka. Mais ouais, ok, non, niveau 32, c'est sûr que c'était loin. Je suis con, mais forcément une évolution de niveau 3. Quoi, mais d'où? Mais quoi? Bon, avant ton Charmillon, je pensais que ça allait enchaîner en fait, les combats. Et bref, niveau 34. Bon, niveau 32 ou 34, faut savoir. Bonsoir Eclipse TV. Pistolet à eau. Eh, mais qu'est-ce que tu fais là, par contre, Shizuka? T'as dit que tu viendrais plus jamais sur mes lives parce que j'avais pris Chimp en feu. Ce super starter, c'est le meilleur starter de l'univers, un Chimp en feu. C'est faux, je déteste, j'aime pas trop en général les starters de la 4G. Les starters que je déteste, c'est ceux de la 1G et la 4G. Sinon tous les autres, je les aime beaucoup, ça va. Et un petit hey, mais ça fait plaisir de te voir Eclipse, dis donc. Bon par contre, maintenant, faudrait faire évoluer Véronique Sanson. Et merci Banana Mère pour l'hébergement, et du coup, bonsoir à toi. Nous sommes tous deux des dresseurs, ouais, ta gueule. Ouais, je n'y crois pas, t'as gagné, logique. Franchement, comment est-ce que quand j'étais plus jeune, je pouvais prendre du temps pour lire les dialogues des PNJ? Je me rends compte, avec du recul, depuis déjà deux générations, que c'est tellement random et que ça pue la merde. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh! Oh, j'ai pas fait tout ça pour rien. Un super bon bec. Une super friandise. Pardon. Je suis vieux.
Ou au Canada, il me semble qu'au Canada, ils sont pas vieux, mais pourtant ils disent aussi friandise. Ou je sais plus, bombec, ou une connerie comme ça. Bref, de la merde et on n'en veut plus. Là, y'a quoi? Un autre super bonbon? Là, c'est quoi ça? Un super bonbon? Rien du tout. Oh là là. Oh! Nouveau combat, ok. On se perd facilement hein, dans cet endroit de merde là, par contre. Oh putain, que des combats duo, par contre, ça, c'est chiant en vrai. Il y a littéralement 2 minutes, je disais, ah oh, c'est cool les combats duo. Et là, ça y est, je trouve déjà ça chiant parce que c'est long. Enfin, c'est long quand ils ont 2 Pokémon, quand ils en ont qu'un chacun, ça va, mais. Jérôme et Malo envoient Onyx et Rakaïou. Mangez vos mains. Eclipse qui dit petit rappel du PNJ qui te dit j'aime les shorts en début d'un combat. Oui, voilà, voilà. C'est vraiment, effectivement, useless des fois. Hein. Tout le temps. Puis la merde, hein, quand même, votre jeu. Ombre nocturne sur Onyx. Je ne sais pas ce que fait Ombre nocturne. Ça fait des dégâts en fonction de mon niveau. Est-ce que ça va faire beaucoup de dégâts du coup? Visiblement, pas spécialement. Ouais, si, ça a fait du coup peut-être 25... Ah, peut-être que ça fait 1 de dégâts par niveau. Donc genre, si je suis niveau 50, ça fait 50 de dégâts. C'est pas fou, mais au moins, t'es assuré de mettre 50, que ce soit efficace ou pas. En vrai, ça peut être cool, du coup. Gainsbourg veut apprendre Ruse. Qu'est-ce que c'est, Ruse? Je ne sais pas, c'est grave. Une attaque capable de toucher un ennemi qui utilise une capacité comme détection ou abri, et annule l'effet de ses capacités. C'est de la merde, un peu, non? Même si j'ai jamais vu en strat, cette attaque, c'est que c'est vraiment de la merde. Et Marcel qui dit salut, mais salut Marcel, nous sommes sur Pokémon Diamant Étincelant, autrement dit le meilleur jeu de l'univers. C'est faux, hein. Niveau jeu Pokémon, je préfère largement les remakes 3G. Vivement les remakes 5G d'ailleurs, hein. On les attend de pied ferme. Ombre nocturne sur Rakaïoux. Ah, mais je me souviens de l'animation d'Ombre nocturne, en fait, c'est une attaque qui est déjà depuis la 7G, non? Ou alors ça se trouve, elle a toujours été dans le jeu. En fait, ça me disait rien avant Ombre Nocturne, mais si, ça commence à me revenir. 34, pas 32. Ah, donc ça évolue, on est tour vol au niveau 32. Ok, merci Banana Mère de la confirmation. Véronique Sanson niveau 33, peut-être une évolution de Véronique Sanson, on y croit? Alors peut-être. Oh putain, il y a Machoc, c'est vrai. Ça rend de la merde. Je suis dans la grotte en dessous de la piste cyclable, exactement, c'est exactement ça, mon cher Banana Mère. Je sais que normalement il faut la capacité flash, je suis une merde, tu peux le dire. Parce que là, du coup, je vais devoir faire des allers-retours incessants, mais si j'y suis rentré, c'est pour une bonne raison, c'est parce que j'ai récupéré une corde sortie dans l'épisode dernier, et donc de toute façon, même si je me perds, je pourrais tout de même en sortir. Remake 5G, la deuxième dose du vaccin. Mange tes morts, Gler, d'accord hein. Mange vraiment bien tes morts. Effectivement, du coup, Banana Mère, je suis sous cette grotte de mort. Utilise une corde sortie, y'a rien à faire ici. Ah, y'a vraiment rien à faire ici, Banana Mère, du coup? Oh non. Alors là, c'est clairement un spoil, mais bon. Je vais continuer de visiter parce que j'ai pas confiance en toi. T'es un menteur qui ment. Y'a quoi ici? Et attendez, il me reste un passage ici. Je visualise un petit peu. Il me reste un passage là. C'est le dernier endroit où j'ai pas été. Ouais. Oh! Il reste des dresseurs, donc forcément que, en fait, si, c'est intéressant. Moi, je veux faire du fight. On va pas aller direct à la prochaine arène. La prochaine arène, elle est juste après, je crois, de souvenir. Et salut, Fleur Chop. J'espère que tu vas bien. Moi, je redécouvre la 4G. Je redécouvre aussi le fait que je sois une énorme merde. Encore une fois, je vous rappelle qu'il y a une semaine, j'insultais la 4G. Et maintenant que j'y rejoue, finalement, bon, elle est pas mal, cette génération. Ça passe de la deuxième génération que j'aime le moins à la quatrième que j'aime le moins. J'aime moins la 1G, la 8G. La 7G, j'ai pas beaucoup apprécié non plus, hein. Donc ouais, je dirais que c'est la quatrième génération que j'aime le moins, ou la quatrième que j'aime le plus, comme vous voulez. Enfin, vraiment, elle est au milieu, elle est bien, elle est très cool, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Ombre nocturne s'appelait Ténèbres avant, c'est pour ça que le nom ne disait rien avant la 7G, parce qu'elle a changé de nom. Ok, sèche tes larmes, petit Pokémon perdu, calme-toi, je vais prendre soin de toi, je ne suis pas un Pokémon, d'accord? Quoique, c'est une femme, est-ce qu'elle est jolie? Ouais, vas-y, tu peux prendre soin de moi, ça y est. Ah merde, Christelle, la fillette. Ouais, non, ne prends pas ça de moi, sinon c'est glauque en fait. Ouais, non. Laisse, oublie, j'ai rien dit. La poreille, oh. La poreille, il faudrait que je fasse évoluer en Lockpin, mais Lockpin c'est nul en strat en fait. En Lockpin, oui, c'est Lockpin. Mais Lockpin c'est de la merde en strat, sauf avec les méga évolutions, mais il n'y en a pas dans ce jeu des méga évolutions de merde. Donc en fait, oui, ça sent la bite. La poreille Conotor. Je sens que la connasse va nous faire un bluff avec le son la poreille. Ah non, même pas. D'accord. Bon ben, ça déboîte, hein. La fillette, ça va, Loïc? Oui, mais non, mais, hein, voilà, mangez vos morts. Et Olivier la douceur qui dit bonsoir, bonsoir, et qui dit, LMDM, il est comme Pokémon, il est brillant, et ses lives sont des perles. C'est trop gentil. T'aurais pu dire l'inverse, hein. T'aurais pu dire que je suis pas comme Pokémon, que je suis pas brillant du tout, et que mes lives, c'est pas des perles, hein. Mais bon, mais c'est trop gentil, bordel! Merci beaucoup, Olivier la douceur, tu es une bonne personne. N'hésite pas à sub à la chaîne pour l'être encore plus. Voilà. Ça n'affecte pas l'ennemi, évidemment, mais on s'en fout parce qu'on termine avec Morsure.
Voilà. Et les gens de 2030 qui disent yo le boss ça va, je n'ai pas pu voir le live d'hier ni d'avant-hier, effectivement ça faisait deux jours que tu venais pas. Je me suis dit, est-ce que cette personne est morte? Après moi j'étais content, hein. ça m'aurait pas dérangé mais bon. Tu n'as pas raté Mario Maker. Attends quoi? Je n'ai pas raté Mario Maker, sinon ça m'écœure. Ah lol. Ah c'est drôle ça, hein. Ah c'est drôle hein. Vraiment je te déteste. Ombre nocturne. Oh là là l'enchaînement. Donc du coup là ça devrait faire genre 24 de dégâts. Ouais c'est ça en fait, c'est vraiment en fonction du niveau. Genre si t'es niveau 30, ça mettra 32 dégâts. Ouais c'est pas fou comme attaque mais ça reste correct. Genre en strat du coup ça assure de mettre du 52 dégâts à chaque fois. Vu qu'en strat tous les Pokémon sont mis niveau 50. En vrai ça peut être sympa non? Est-ce que c'est utilisé sur certains Pokémon ombre nocturne en strat en vrai? Cap humain bordel avec sa queue qui permet d'attraper des objets. Qui évolue en capi... Oula non. Qui évolue en capidextre. Qui a deux queues pour attraper des objets. Ah putain j'aimerais tellement avoir ça. Une énorme queue avec une main au bout pour attraper des objets. Pourquoi j'ai fait buée noire, moi? Pourquoi j'ai fait buée noire? J'ai envie de crever. Pourquoi j'ai fait buée noire? Je suis vraiment une merde. Hein. Étonnement. Oh là là, l'étonnement. Pistolet à eau. Avec vrille. Et on termine le match là-dessus. Allez, max d'XP. Une petite évolution. Apparemment, Loïc aime bien ça. Non, Gecko Clem. Ah non, non, c'est pas vrai. Tu mens. T'es un menteur qui ment. C'est faux. Elle ment en allemand. D'ailleurs, Gecko Clem, n'hésite pas à sub à la chaîne. Ça se trouve, t'es déjà sub, je suis vraiment une merde. Hein. Tu voulais juste te moquer de moi. Ouais, totalement, c'est exactement ça. J'adore me moquer de ma communauté. C'est moi qui pleure maintenant. C'est bien, madame. Je m'en bats les couilles. Mais du coup, Mas, est-ce que Général Mas est toujours présent sur le live? Parce que malheureusement, Mas, du coup, il a un petit problème avec une ROM. Oh, reflet. Bon, c'est nul, mais c'est déjà ça pris. Il voulait tester une ROM, mais il a un problème avec. Donc, est-ce que finalement, tu vas faire quoi, Mas? Glur il est bizarre, mais Glur est très bizarre. Corps de sortie. Merde, le sac, comment on l'utilise? Là, sac. Corps de sortie. Corps de sortie, c'est où? C'est où? Oh, je suis perdu. Ah, c'est ça, ok. Corps de sortie, utiliser. Oh, les animations n'ont pas changé. Les animations n'ont pas changé, c'est toujours aussi nul. C'est toujours le mec fait à toupie avec son sexe. D'accord, insane, j'adore ce jeu. On passe de l'autre côté de la piste cyclable. Ah, il y a un item. En vrai, il y a vraiment un long temps avant que les Pokémon apparaissent. Hein. Genre, le jeu, il se freeze pendant genre 0,75 secondes. Et du coup, The Real Manji qui dit oh, tout le monde, c'est Cynthia. Salut, The Real Manji, j'espère que tu vas bien. Vas-y, Sanson, j'ai Véronique en toi. Waouh, ça ne veut rien dire. Vas-y, Sanson, j'ai confiance en toi. Pas enfin, Sanson, j'ai Véronique en toi. Ça, c'est plus glauque qu'autre chose, en fait. Pardon. Moi aussi, je t'aime, Kappa. Non, mais Glur, il est détestable. Hein. Glur, il est totalement détestable. Mais est-ce que vous êtes au courant? Peut-être qu'il y a des gens qui n'étaient pas là depuis quelques jours sur mes lives. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a littéralement. Un de mes modérateurs qui drague une des personnes qui vient dans mon chat. Genre Glursbge en fait, drague Kill Me Please. Et visiblement c'est une histoire d'amour qui se passe plutôt bien. Mais c'est un peu glauque quoi. Les gens se découvrent sur Twitch, ils se tripotent, enfin ils se découvrent sur Twitch. Enfin c'est étrange, je trouve ça très étrange. Mais bon bref, ils font comme ils veulent. Et Nilfae qui dit, out of context LMDM. Merci Nilfae. C'est très gentil. Y'a plus rien à faire là? Oh, The Real Manji qui est sur Perle Ceinture, deviens un de ces quatre. Quand j'ai fini le jeu, on se fait un fight ensemble en live sur la chaîne secondaire The Real Manji. Genre, tu te fais une team strat, moi aussi. Enfin, non, tu te fais ta team d'aventure. Je prends ma team d'aventure et on fait la bagarre. Sois contre moi. Melocric, attendez. Melocric qui a une énorme moustache. Pokémon insecte. Énorme moustache. Oh putain, je sais qui ça va être. Je sais exactement qui ça va être. Laissez-moi faire. On va capturer Melocric. Avec son énorme stache mou. Le premier qui trouve gagne rien du tout, mais allez, imaginez, chanteur, variété française, moustache, ça vous dit quelque chose? Ah putain, Georges Brassens, ah c'est pas con non plus, hein. Ah j'avais une autre idée que Georges Brassens, mais c'est pas con. Ah c'est pas con du tout, bordel. Ah putain, tu fais chier, Mas. Et non, c'est pas Jean Ferrat, sans A, enfin sans T à la fin, il y a un T à la fin de Jean Ferrat, il me semble. Salvador Dali, mange tes grands morts, c'est pas un chanteur Salvador Dali. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que Dalida avait un portrait, enfin, une peinture dédicacée de Salvador Dali, avec marqué de Dali pour Dali, ou un truc comme ça, par Dali pour Dali, je crois. Pokéball, est-ce que cette anecdote est vraie? Je pense que cette anecdote est vraie. Effectivement, elle est, bien joué. Mario, non mais mangez vos morts, hein. Putain, maintenant, Mas, tu me fous un doute. Je dois vérifier l'orthographe de Jean Ferrat, c'est grave ça, hein. Je suis censé connaître ça par cœur. Et hop, vous avez attrapé Melocric.
Vous avez gagné des points d'XP. Barbara niveau 25, qui n'évoluera pas, parce que Barbara n'évolue qu'avec une pierre ombre. Pas une pierre ombre, une pierre nuit. Si quelqu'un sait où on trouve une pierre nuit, je suis totalement preneur. Si j'en ai loupé une quelque part. Il veut apprendre assurance. Donc il veut apprendre la maïf. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec assurance? Cette attaque est deux fois plus efficace si l'ennemi a déjà été blessé durant ce tour. Mais c'est de la merde. C'est bien pour le combat duo, mais sinon ça pue la merde. Les données de Mélocric ont été ajoutées au Pokédex. Ce Pokémon croise ses bras affûtés devant son torse lorsqu'il crie. Il improvise des mélodies. Alors. Oui, Jean-Ferra, c'est bel et bien qu'un T. Putain, tu m'as mis le doute, masse. Toi aussi LMDM? Comment ça, toi aussi LMDM? Tu veux te battre? Bien sûr que je donne un surnom à Mélocric. Putain, maintenant j'hésite entre Georges Brassens et Jean-Ferra. En vrai, Jean-Ferra, il avait plus une moustache comme ça que Brassens. Ça part sur Jean Ferrat. Désolé, hein, aux amateurs de Brassens, moi aussi j'adore, mauvaise réputation, tout ça, lol. Que faire de Jean Ferrat? Alors, la question est la suivante, qu'est-ce qu'on fait de Jean Ferrat, effectivement? Balavoine, ou alors on le garde dans l'équipe jusqu'à la fin du jeu, parce que les tours Raptors c'est trop fort. Hein, ça rime d'ailleurs. Sheila, ça peut être très très cool, je pense qu'on va la garder dans l'équipe, mais seulement quand elle sera utile. Mais là, du coup, il faut que je la fasse évoluer. Gainsbar, on va le garder, hein, c'est sûr. Sanson, Barbara et Claude François. Oh, putain. Qui est-ce que vous voulez qu'on jarte de l'équipe? Même si c'est que temporaire. Il y a peut-être quelqu'un qu'on va jarter de l'équipe. La Maïf, Loul. Ah, c'est drôle ça, un Gecko Clem. Ah, oh, c'est drôle. C'est vrai que je suis très très drôle. Stal. Oh là là. Oh, comment ça, Stal? Non, non, Mas. Non, mais t'es... Non, Mas, t'es vraiment une merde. Mas, je te déteste. Bon. Gainsbourg, c'est sûr que je garde. Sheila, va falloir que je la fasse évoluer. Balavoine aussi. A la rigueur, Barbara est un petit peu plus haut level que les autres. Et en plus de ça, il me faut une pierre crépuscule, pierre nuit pour la faire évoluer. J'hésite entre... En fait, Claude François, il évoluera pas de sitôt. Hein. Je vais enlever Barbara. Je vais mettre Jean Ferrat. Et on rééchangera plus tard, quand il y a besoin. Voilà. Je pense que ça me va. Barbara, ça dégage. Désolé, Barbara. Tu m'excuseras. Je vais juste regarder un résumé du Pokémon. Ouais, ta gueule, Jean Ferrat. Il a une attaque insecte, une attaque de type plante, ok. Il est quel type d'ailleurs ce Pokémon de merde là? Il est insecte pur, ok, c'est pas foufou hein. Insecte pur, c'est bien de la merde en strat Pokémon. Genre, il y a difficilement plus merdique que ça. Mais c'est pas grave. On l'aime quand même comme il est hein. Ah, attention au niveau Pokémon! Pas du tout. Un Jean Ferrat. C'est un Jean Ferrat femelle! C'est un Jean Ferrat femelle. Il a des moustaches beaucoup plus courtes. Et ça ressemble encore plus aux moustaches de Georges Brassens là par contre. Mais dommage que ce soit une femelle, mais je l'aurais bien capturé en vrai. Équipe. En vrai, on peut tenter un petit coup de bigot avec Balavoine. Balavoine niveau 25, j'aimerais bien le faire évoluer au plus vite. Claude François, il me semble qu'il évolue bientôt. Tu penses qu'il évolue bientôt, Claude François, déjà? Non, Luxray, il évolue tard, hein. Il évolue genre pareil que Eto Raptor, genre niveau 32, 34. Genre, c'est pas bientôt, genre, probablement pas aujourd'hui qu'on va le voir évoluer, hein. À moins que quelqu'un veuille vérifier peut-être sur l'internet connecté du web. L'internet du web connecté, mais j'ai un gros doute qu'il évolue aujourd'hui, hein. Dommage que ce soit une femelle, sale macho va. Dommage que ce soit une femelle, parce que ses moustaches ressemblent encore plus à Georges Brassens, et là on aurait pu l'appeler Georges Brassens. Mangez vos morts, hein. Sale macho va. Vas-y, dis que je suis sexiste, dis que je suis macho, dis que je suis tout ce que tu veux. Dis que je suis misogyne, vas-y, n'hésite pas. Après, moi je connais des gens sur Twitch qui sont l'inverse, qui sont totalement misandres, donc je ne dirai rien, mais bon. Allez, hop, on passe par là, j'ai plus envie de me taper de Pokémon. Putain, j'ai plus envie de me taper de Pokémon, bordel de merde! Et c'est tout le temps les mêmes, hein. On fuit? On va fuir. La fuite me semble être une bonne idée. Ah, oh, quoique, en vrai, Véronique Sanson, elle peut le faire, là, non? Non, non, non. Allez, ça dégage. Coupe. Oui. Je crois que je suis légèrement perdu. Je sais plus où, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je suis. Qu'est-ce qu'il a, mais qui c'est celui-là? Oh, on peut planter des trucs, là. Je vais planter des choses. Planter une baie, oui. Oh, c'est toujours aussi long qu'à l'époque, c'est trop bien. Une baie flambie. J'arrose la baie flambie. Voilà. Ensuite, une baie qui serait utile en strat. Baie pêcha, soigne l'empoisonnement, c'est nul. En vrai, la baie au rang, elle peut être cool. Hein. Ouais, je plante. Hein. J'arrose le sol. Et on est bon. Route 206. Quoi? Ah, c'est rival ça. Ah non, c'est Aurore. On va déboîter Aurore. Salut Loïc, ça avance ton Pokédex? Moi? Oh, c'est pas génial, mais c'est pas catastrophique non plus. Bon, on est pas là pour parler de choses. J'ai un petit truc pour toi. Choisis une main. Gauche, je suis gaucher. Bravo, t'as gagné un cherche-objet. Un cherche-combat. Attends, quoi?
Il y avait quoi dans l'autre main du coup? Je savais que tu ferais le bon choix, Loïc. Dans l'autre main, il y avait quoi? La baie François Hollande, la baie Flambie totalement, hein. Et déboîter Aurore. Non, mais j'ai envie de déboîter Aurore là, genre maintenant. Cherche combat. Tandis que Raquel Dresseur veulent se combattre aux alentours. T'as une Pokémontre? Parfait, dans ce cas, je donne aussi cette application, tu l'as bien mérité. Pour recevoir l'application Pokémontre Radar à objet. Ça semble sentir la merde. Le radar objet détecte les objets cachés. Ça semble vraiment sentir la merde. Dégage. Ta gueule. Vraiment ta gueule. Hein. Oh mais je voulais la déboîter, je voulais la combattre. Oh non. Oh je voulais me la faire. Bon bah tant pis. Hein. Bon bah des Béorans. Dommage, c'est malheureux. Hein. Et salut d'ailleurs à Gabriel. B-Cerise, ça peut être cool, non pas en strat. Mais enfin, pour l'aventure ça peut être cool. Voilà, tout simplement. Béorans. En vrai j'ai vraiment la flemme de planter des baies à l'infini. Hein. Deux baies remues. Lol, c'est, je pourrais faire des blagues et tout, mais... Genre c'est un remue-méninge, tout ça. Baies remues. Allez. On arrête les blagues de mauvaise qualité. On arrose le sol. Et on est reparti. Heureusement que c'est que dans cette génération qu'on doit planter des trucs, parce que ça pue la merde. Hein. C'est vraiment l'ajout le plus chiant du monde. C'est ici qu'on peut capturer des Absol, il me semble, non? Cette route me dit quelque chose. Route... Ah non, c'est la route 213 où on peut capturer des Absol. Je sais pas, mais en fait, cette route avec des... Le mélange de d'herbe et de ça, là. Comment on appelle ça, le truc, là les cailloux. Les cailloux. Ça me disait quelque chose, en fait. Toi, tu veux te battre, ça se voit. Et du coup, peut-être changer d'ordre d'équipe. Peut-être mettre Sheila. On va tenter notre premier combat avec Sheila. Hein. Première fois qu'on sort Sheila. D'ailleurs, putain. Ah, tu veux pas te battre, toi? Faut changer d'idée sur la bicyclette pour grimper cette pente. D'accord, merci. Comment on fait? Plus, bicyclette. Oh, je merde. D'ailleurs, tout à l'heure, avant le live, vous me dites si cette anecdote vous intéresse, mais avant le live, bah, du coup, j'ai écouté du Sheila. Genre, mais oui, l'école est finie, tout ça, tout ça. Probablement que cette anecdote n'intéresse strictement personne sur mon live, mais sachez qu'elle existe. Volvi, ah, ça fait des dégâts, ça. Oh, rose mouton, le boss. Mais il est niveau 5. Mais il pue la merde, le match-up en face, là. Ah, là, tu m'as remarqué. Bah, bien sûr que je t'ai remarqué, Gabriel, y'a pas de soucis. Oh, je voulais la déboîter. Toi aussi, tu voulais la déboîter? Putain, je fais tout ça pour une Pokéball. Je vais pleurer, hein. Allez, deuxième combat. Oh la chance, un racaillou. Bon, au moins c'est super efficace sur lui aussi. D'accord, bah écoute, j'ai écouté Grindé comme à mon habitude, mais ça aussi tout le monde s'en fout. Effectivement, Gecko Clem, moi les gens, ça les intéresse parce que je suis un streamer connu, reconnu et adoré de tous. Voilà. Toi, tu n'es qu'un random parmi tant d'autres, donc c'est pour ça que les gens s'en foutent totalement de toi. Tempête sable. Let's gong. Tempête sable qui, me semble-t-il, augmente de 1 la défense spéciale des Pokémon roche sous le sable. Ou les Pokémon sol. C'est sol ou roche? Je crois que c'est roche. Hein. Tyranocif, il est sol et roche, donc je sais pas. Un random, mais je te merde. Ah, moi aussi je te merde. Hein. Je te merde. Tout ça pour ça. Hein. Donc j'ai vraiment fait ça pour rien. Non, attends. Ah, Charbourg! Attends, quoi? Attends, tu te fous de ma gueule? Charbourg, la ville qui regorge d'énergie. Non! Non! J'avais pas calé, mais je suis de retour à Charbourg en fait? Oh, j'ai envie de mourir. Bon, au moins je peux les soigner mes Pokémon et on est reparti ensuite. Oui, vas-y, n'hésite pas à soigner toute ma team, elle est vraiment dans le mal là pour une fois. Cram, mon Jean Ferrat. Insane, hein? Est-ce qu'il y a un qui dit j'écoute Boards of Canada, peu de gens connaissent et tout le monde s'en fout? Mais effectivement, moi j'écoute Dalida, tout le monde connaît et personne s'en fout parce que Dalida c'est la meilleure chanteuse de l'univers. On est reparti. À bicyclette. À bicyclette, oh la vache, oh là là. Est-ce que quelqu'un a la rêve de la chanson à bicyclette? Est-ce que quelqu'un est capable de me ressortir la personne qui a chanté la chanson à bicyclette? La première personne qui me la sort gagne toute mon estime. En avant mon Pokémon, faisons de notre mieux. Qui croit au Père Noël? Moi je crois, je l'ai vu, ouais ouais. Ah tu l'as vu Ah trop cool Gabriel. D'ailleurs est-ce que vous savez que le Père Noël existait vraiment? Yves Montand, GG Gecko Clem. GG Gecko Clem, t'es un boss. Si quelqu'un d'autre disait Yves Montand, c'était sûr que c'était quelqu'un qui a été voir sur Google, mais toi j'ai confiance en toi. Sheila, Jean Ferrat, go. Oh ce combo. Oh ce combo. Volvi sur Pachirizu. Sensible à hein, mon joystick. Mon joystick est très sensible ces derniers temps, je sais pas ce qu'il a. Piqûre, ça peut être cool. La piqûre, c'est cool ça. Piqûre sur Pachirizu.
Ça y est, je suis plus random, tu l'es totalement encore. D'ailleurs, Loïc, en écoutant une musique, j'ai eu une hallucination auditive et j'ai entendu Dalida. Dans laquelle, parce qu'il y a certaines musiques, genre Renaud par exemple, il a déjà cité Dalida dans ses chansons. Nayuru, bonsoir. Mais moi, je veux des hallucinations auditives où t'entends du Dalida. C'est insane. C'est la meilleure chose de l'univers. Oh, ça met tellement zéro dégâts. Oh la vache. On va changer de team, hein. On va passer sur Claude François. Enfin, façon de parler, on va passer sur Claude François, hein. Calmez-vous. On va passer sur Claude François et Véronique Sanson. Et Sensei Andy, bonsoir. Bonsoir tout le monde, comment il va? Je vais très bien, je continue. Pokémon Diamant Étincelant. Et même si c'est les lives ces derniers temps qui font le moins de viewers de moyenne, et ben au final, maintenant je m'en fous des stats. Enfin, pas je m'en fous des stats, je fais quand même attention à ça. Mais ça me dérange pas de continuer dans du Pokémon. J'adore tellement ce jeu. Enfin, j'adore, façon de parler. On va dire, j'aime beaucoup ce jeu. J'adore, peut-être pas non plus. Peut-être pas exagéré. Ah, j'écoute pas ce genre de truc de vieux. Alors, mange tes morts, du coup, Zurel Manji. Tu me feras écouter la chanson où t'as eu l'hallucination auditive. Étincelle. Ah, franchement, je suis vraiment pas une étincelle, lol. C'est drôle ça, non? Non, pas spécialement. Bon bah ok, j'accepte. Rugissement. Ponyta a rugissement. C'est genre attaque de merde de début de jeu, mais je savais même pas que Ponyta avait rugissement. C'est tellement nul à chier comme attaque que personne l'utilise jamais. Mais let's go, hein. Super efficace, let's go, étincelle. D'ailleurs, en parlant d'étincelle, c'est moi qui vais mettre genre 0 dégâts avec mon Claude François, vu que mon attaque a été baissée quand même de 1 cran. En vrai, du coup, c'est peut-être pas si nul, hein. Bon, ça va, je l'ai tué quand même, ok. Bon, tout va bien. Nayuru qui dit, c'est quoi ton jeu Pokémon préféré? J'hésite entre la 5.5G et la 6.5. En gros, j'hésite entre Noir et Blanc 2 ou Rosa. Ruby Omega Saphir Alpha. J'en ferai à niveau 16. Non, je garde mes attaques, je vais pas apprendre hurlement. J'en ferai à niveau 16, let's go. Et on termine avec une morsure. Attends, d'où type eau, c'est efficace sur type électrique? Ah non, attends, c'est peut-être l'inversé. Électrique, c'est super efficace sur électrique. Non, électrique, c'est super efficace sur eau. Mais eau, ça reste efficace sans être peu efficace. Oh, putain, c'est compliqué la table des types, hein. Franchement, j'ai envie de crever, hein, quand même. Et la morsure qui termine le match. Bon. Attends, quoi? Je t'ai... Non, mais pour toi sur TikTok... Quoi? Attends, t'as Sensei Andy sur TikTok, TheRealManji? D'ailleurs, est-ce que vous saviez que le jour où je dépasse les 1000 follow, je vais premier degré ouvrir un TikTok? J'y pense depuis longtemps. Et du coup, et c'est pour ça que je l'ai mis dans le point d'exclamation 1000. Hein? J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Désolé. Mais voilà quand même que je vais ouvrir un TikTok. Détestez-moi, n'hésitez pas, hein. Aquajet, petite attaque de priorité. Je sais que General Mas va me détester parce que lui, il est typiquement contre, totalement x1000 contre TikTok. Mais bon, si je fais pas des danses Fortnite sur TikTok, ça va. Genre si je pose juste des meilleurs moments de live, genre des clips, des petites pubs pour mes lives et tout, ça peut être cool. Parce que j'adore la pub. Je suis malade. Ah, t'es malade, complètement malade ou pas, Romix le Thermomix? Est-ce que t'arrives, on ne sait jamais quand? Faut trouver une super potion. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un conduit qui fait circuler l'air entre la surface et les grands souterrains. Je me souvenais même pas qu'il y avait ça. Allez, combat suivant. Oh, c'est le mont couronné ça déjà? Non, parce que le mont couronné c'est là où on peut faire évoluer Magnéton en Magnézone. Je veux un Magnézone dans mon équipe. Racaillou. Oh punaise, vous êtes vraiment en train de vous ajouter sur TikTok les gens de la communauté, j'ai envie de crever, hein. Bah, c'est pas une si mauvaise chose. Allez, le vol vie. Oh, ça, d'où ça one shot alors que c'est un Pokémon de merde qui fait du 22 dégâts en plus, rose mouton. Oh, insane. Oh, que je l'aime ce jeu. Envoie Archéomir. Oui, ouais. Et là, je veux bien changer. Envoyez Gainsbourg, comme ça on one shot Archéomir et on est bon. Reviens, Sheila. Allez, Sheila. Reviens. C'est drôle ça, hein. Ça c'est Hervé Villard. Ça n'a rien à voir, mais bon. Roserad, c'est un Pokémon physique ou spécial? Ça me semble être un Pokéspex, hein. C'est un Pokémon spécial, Roserad, donc à tout moment. Il faut que j'enlève toutes les attaques physiques, en fait, à Sheila, je crois. Je suis vraiment une merde. Ouais, mais, hein, en strat, je suis pas si fort. Attendez, je vais vérifier. Qui est physique, qui est spécial dans ma team? Ah, pardon. Résumé, alors, là, on a quoi?
Effectivement, c'est un Pokémon spécial. Toi, t'es un Pokémon physique. Toi, t'es un Pokémon physique. Toi, t'es un Pokémon... Spé. Pour le moment. En tout cas, toi, t'es spé et physique, en vrai. Toi... T'es spé et attaque, ok. T'es spéléologue. Et toi, full attaque physique, ok. Donc, en vrai, en attaque spé, on a... Rose Mouton, qui évoluera en Rose Rad. Et on pourra peut-être se tenter un Simiabraze spécial. Mais sinon, j'ai vraiment que du physique. Hein. J'ai vraiment que du physique dans ma team. Il faudrait que je passe sur quelque chose de plus spécial. Parce que sinon, pour l'instant, c'est claqué au sol. Genre ça, c'est pas du tout strat. Hein. D'avoir 5 poké physiques et un strat... Enfin, et un... Oh, cette musique. 5 poké physiques et un spécial. Je suis sur Twitch par passion, mais totalement, Gabriel. La critique que j'ai vue le plus sur ce jeu de merde... C'est que les 3 premières heures, non pas les 3 premières heures, les 5 premières heures sont longues et chiantes parce que c'est tout le temps les mêmes Pokémon que tu te bouffes en fait. Et même à la fin du jeu, dans la 4G, tu vas te rencontrer quand même que des Chaffreux, des Nostanfer et tout ça. Genre, la 4G, comment ça peut être une génération adorée alors qu'il y a littéralement genre 10 Pokémon dans toute la génération quoi. On ne voit que les mêmes à chaque fois. Je vais enlever le vélo, peut-être que ça attire les Pokémon. On va fuir les combats. On va fuir les combats, ça me semble être une bonne chose, je confirme. Mais totalement, Zuralmanji, c'est trop chiant qu'il y ait tout le temps les mêmes Pokémon. Allez, ça dégage. Il est mignon, Rose Bouton, en vrai. Comment on enlève le vélo? Comme ça. Elio! C'est là la première fois qu'on rencontre Elio, bordel! Putain, la vache! Let's go! Une théorie voudrait que le mont Couronné soit à l'origine de la région de Sinnoh. Dans un monde nouveau, un monde où seul le temps s'écoulerait, un monde où seul le temps s'écoulait et l'espace s'étendait, le conflit n'aurait jamais dû exister. Mais qu'est-il arrivé à ce monde? Le conflit s'est répandu. Je ne parle pas des combats de Pokémon, mais des conflits de l'âme, des émotions. Les êtres humains sont faibles et imparfaits. Ils mettent le monde en péril en laissant leurs émotions prendre le dessus. Je trouve cette situation tout à fait déplorable. Mon perso s'en bat les couilles. Il s'en est full battu les couilles. Attends, mais il se pète comme ça? Genre, je l'affronte même pas? Genre, le mec, il nous fait son speech d'éternel connard et il se barre? Oh, oh Corillon. Oh, il est dégueulasse, Corillon. Et il se sert du coup de son machin comme langue. Enfin, de son grelot comme langue. Oh, insane. Corillon en 3D, c'est insane, hein? Allez. Parce que quand même, c'est rigolo drôle. On va déboîter Corillon. On va fuir le combat, c'est mieux. Étonnement, mais quelle attaque de merde, tu m'étonnes. Ah lol. Les pires, c'est que même les capitaines de la Team Galaxy ont des Nostanfer et des Chaffreux. Ah oui, non, mais totalement, hein. Totalement. La Team Galaxy pue la merde, hein. En tout cas, niveau team, là, c'est vraiment... Niveau équipe, il pue la merde, la Team Galaxy. Nilfay qui dit, remarque, t'insultes régulièrement tes viewers, ça nous empêche pas de rester. Ça doit être le même genre de masochisme. J'ai jamais insulté ma communauté, c'est pas vrai. Tu mens, Nilfae. C'est vraiment une merde. Pardon, j'étais obligé de la faire. Ça empêche pas de jouer au jeu. Ouais, mais ça pue la merde, bordel. J'en ai marre d'affronter 8 fois les mêmes Pokémon. Machoke, on en a affronté combien des Machoke? Oh, c'est long. C'est dur. C'est ce qu'elle disait, hein, que c'était long et dur. Fuite. Vous avez des fuites urinaires? Parce que moi, oui. C'est pas une blague, j'ai vraiment des fuites urinaires en vrai. Mais ça, faut pas le dire du coup. Là-bas, on a une sortie. Attendez, j'avais débloqué un repousse. Parce que là, franchement, ça commence à me péter les burnes d'affronter les mêmes Pokémon en boucle. Voilà. On va utiliser le repousse et on va même faire autre chose. On va dégager Rose Bouton qui finalement pue bien ses grands morts. Hein. On va remettre Claude François en premier. Jean Ferrat est trop faible pour l'instant. On va le laisser grind de son côté tout seul. Je peux pas aller là-bas. Je peux aller ici, d'accord, c'est strictement le même passage, ça ne servait à rien. On ne dit pas la maman Hagler, on dit la maman Deugler. La mère moche Deugler. Ok. Combat? Oh, tu es encore si jeune. Tu crois vraiment... tu te crois vraiment capable de battre un gaillard comme moi? Comment ça, je suis si jeune? Techniquement, j'ai eu mon anniversaire il y a une semaine, hein. Je suis plus si jeune. J'ai 19 ans. Désiré le montagnard. Oh putain, Désiré le montagnard. Ça me rappelle une chanson de... Attention, allez-y. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Attendez, je ne dis rien. Est-ce que quelqu'un va trouver? Dans le chat, ça me rappelle une chanson de qui? Un chanteur ou une chanteuse française? Si vous voulez un indice, c'est plutôt un chanteur. C'est un chanteur, d'ailleurs.
Allez, Désiré, ça vous dit rien? Non, y a vraiment personne qui l'a dans le chat là? Non. Ah, vous dégoûtez, hein. Même Gekuklem, tu l'as pas? Ah, je sais pas, c'est vieux. Ah, putain. Désirless. Mange tes morts, toi, hein. Vraiment. Mange tes grands morts, Zuralmanji. Puis urinaire. Tu mets des always discreet? Non. Désiré, ça vous dit rien? Non, mais putain. Mais Désiré, c'est. Je vais dire Alain Barrière, je suis vraiment une merde. Désiré, c'est Gilbert Bécaud, bordel. Mais non, vous l'avez vraiment pas, y'a vraiment personne du chat qui l'a. Genre sur 20 personnes, y'a pas un pélo qui est capable de l'avoir. Oh putain, je vous déteste. Hein. Changer parce que sinon ça va être long et dur. Envoyez chez là. Celui-là, je l'avais pas, mais t'es vraiment une merde, Gekko Clem. Hein. Vous êtes pas très culturé, effectivement, Scorio. On s'en balèque des chanteurs qui datent du 3ème siècle. Je propose un time-out de Gabriel, du coup. Hein. Un petit time-out, voilà, de 9 mois. C'est pas bien grave. Quelqu'un veut bien time-out à Modo, qui serait présent dans le chat. Je suis pas vieille comme toi. Un petit time-out aussi de Kill Me Please, d'ailleurs. Gleur, pourrais-tu time-out Kill Me Please, s'il te plaît? Je vais demander à Gleur de time-out pendant 10 minutes. Kill Me Please. Parce que vu que c'est sa meuf, je sais qu'il va pas réussir. Donc vas-y, tu le fais. Gleur. Gleur, tu time out Kill Me Please maintenant. Gleur, si tu le fais pas, je t'enlève ton rôle de modérateur. Grâce à mes techniques de karatéka, je vais te pulvériser. C'est ce que ma mère me disait, sauf qu'elle est pas karatéka. Elle me donnait des baffes, elle me frappait, mais alors qu'elle était pas du tout karatéka. Bref. Gleur. Ok. / unmod Gleur's gueux. C'est fou, Gleur, il est jamais là sur les lives. Hein. Vas-y, Claude François, j'ai confiance en toi. / unmod Glurzbg. Voilà, vous avez retiré Glurzbg des modérateurs de cette chaîne. Et salut Hardcore Geek. Bon bah Zuralmanji, tu peux time out du coup Kill Me Please. Vas-y. A toi de jouer. La vitesse de Claude François baisse. C'est pas grave, parce que Claude François fait des étincelles quand même. Let's go. Il y a quasiment que des Pokémon de 1G hein, dans les 4G pour l'instant. C'est insupportable au possible. Sheila niveau 24. Est-ce que Sheila va enfin évoluer? Berceuse à la rigueur. On est d'accord que ça plonge l'ennemi, voilà, c'est ça, dans un profond sommeil. Piqûre ou Survinsecte? On a dit que notre Pokémon est un Pokémon physique. Donc Survinsecte, c'est moins fort que Piqûre. Donc ça dégage Survinsecte. Tu te fous de ma gueule, j'espère. Ah, mais non, mais Gleur, littéralement, je te pose une question, je te demande. Gleur. Je suis désolé, mais bon. T'es modérateur, mais t'es jamais sur les lives. Moi, je te demande de faire un truc, tu le fais pas. Ah, je t'enlève modérateur, hein, Gleur, c'est ça. Hein. Fais gaffe maintenant, je peux te ban. Effectivement, faire gaffe à Gleur. Hein. Les modérateurs de cette chaîne sont TheRealManji, BlueFR, Streamlab, TheRealManji, RedSlime, General Mass, Sanzo, Bulwiji et Sensei Andy. C'est vrai que j'en ai beaucoup des modérateurs, faudrait vraiment que j'en enlève quelques-uns en fait. J'en ai trop. J'en ai trop pour des gens qui sont pas assez là. L'effet du répulsif s'est dissipé, non. On n'en réutilise pas. Ici il faut escalade, c'est ça? Cette paroi est très escarpée, vous pourriez peut-être l'escalader avec l'aide d'une capacité secrète. D'accord, je ne l'ai pas. Ça sert à rien d'essayer. Bonjour, combat! Combat. Oh, trop de dresseurs dans ce gène, hein, en vrai. Heureusement que je lis pas plutôt. Je me dis que là je serais qu'à la première arène ou à la deuxième si vraiment je m'étais mis à lire tous les dialogues du jeu de tous les personnages. Ce que je voulais faire à la base, hein, ce que je voulais vraiment faire à la base. Les personnes suivantes sont VIP sur cette chaîne. Prends le guidon. Effectivement, il fallait. Loïc, oui, Gleur, dis-nous. Dis-nous tout. Qu'y a-t-il? Morsure, je crois que je vais me faire déboîter par Onyx en fait. Claude François utilise morsure. Je vais me faire déboîter par Onyx, c'est sûr. Oh, il a eu la trouille. Switch. Ah merde, Sanson est dans la merde en vrai. Ben dans ce cas... Gainsbar, hein. En avant Gainsbar. Le mec il a plus de mono que de VIP. Ah mais le VIP c'est sacré chez moi. D'ailleurs, vous voulez que j'enlève des modérateurs? Est-ce que ce serait pas le live pour le faire? Anti-air, hop, ça déboîte les Pokémon de type vol. Sauf que je ne suis pas de type vol, mais par contre toi je vais te déboîter.
Serge Gainsbourg, point boost. Et Mas qui est sûr. Mario Odyssey, donc finalement, il annule sa Rome hack, Mas, ça veut dire. Vu qu'il passe sur Mario Odyssey. Oh non. Oh le nul. Ça rend une merde, Général Mas. Du coup, je vais aller dans communauté. Ah, vous allez me détester, hein. Communauté, gestionnaire de rôle. Et je vais devoir enlever de mes modérateurs. Je ferai une campagne de recrutage un autre jour. Alors, dans mes modérateurs, qui est-ce que j'enlève? BlueFR, je laisse. BlueLuigi, j'hésite. Mas, je laisse. Red Slime, je laisse. Sans eau, c'était pour la blague, j'enlève. Sensei Andy, Padabra, pas de cadabra, c'est drôle. Hein. En vrai, j'ai pas besoin d'autant de... Oh, il faut que j'enlève quelqu'un entre Zuralmanji et Red Slime, en fait. Ah merde, il faut que j'enlève quelqu'un. Sinon, ça me fait vraiment trop de modérateurs dans le chat. J'ai toujours mon bug. Ah, t'es toujours là, Mas, par contre. Ah, d'accord, t'as lancé ton live, mais... Enfin, tu lances le jeu, mais t'as pas encore lancé ton live, ok. Du recrutage. Ouais, je vais faire du recrutage, Mas. Culbutoke. Je veux un culbutoke. Oh, Machoke. C'est pas du tout ici qu'on capture un culbutoke, je me doute. Mas et sa sainte poussette. Ah. Alors, Mas, attention. Je vais devoir t'enlever de mes modérateurs, puisque je confirme qu'effectivement, c'est bel et bien une poussette, le tank de notre cher Général Mas. Ici, on n'est pas sur ton live, hein, Mas. Ici, les gens ont le droit à la liberté d'expression, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, tant qu'ils ne m'insultent pas, qu'ils n'insultent pas ma famille, qu'ils n'insultent pas les jeux que j'aime, qu'ils n'insultent pas ma façon de penser, qu'ils n'insultent pas les chanteurs que j'aime, qu'ils disent que les années 80 sont bien objectivement meilleures que les années actuelles. Genre vraiment, on n'est pas du tout dans une dictature chez moi. Chez moi, il y a totalement plein de droits, alors voilà. Je suis pas général à moitié. Hein. Chez moi, les gens ont tous les droits. Ça, c'est de l'abus de pouvoir. C'est totalement de l'abus de pouvoir, Mas, hein, fais gaffe. Pourquoi pas te battre? C'est pour ça que je suis venu, en fait, madame. Sensei Andy. Marissa. Oh, Marissa. Oh, putain. Mas, tu l'as, Marissa. Allez, vas-y. Tu me dis c'est qui Marissa dans Professeur Layton. Mas, tu me sors immédiatement qui est Marissa dans les jeux Professeur Layton. Je sais que tu l'as. Dalida, c'est trop bien. Merci, Sensei Andy. Ta maman, la gentille. Merci, Kirby. Chargeur. J'augmente ma défense spéciale et ma prochaine attaque électrique fera beaucoup plus de dégâts. Ouais, c'est sa défense P. Donc là, il fait tornade. Et vu qu'il est insecte vol, normalement, je le dégomme, son Apitrini. Je le goom. Claude François, étincelle. Pardon, ça me bute. En vrai, si j'enlève soit Red Slime, soit Sensei Andy, faudrait que je les mette VIP, un des deux, celui que j'enlèverai, des modérateurs. Là, là. Bon, pour l'instant, je laisse les deux. Pour l'instant, je laisse les deux, mais il va falloir que je réfléchisse. Faudrait même que j'en enlève deux, en fait, entre Bulwiji, Red Slime et Sensei Andy. Marissa, là, l'aromathérapeute, envoie Roselia, bah tiens. Attends, il y a une couille, là. Il y a clairement une couille dans le pâté. Pourquoi? Attendez, vous allez me dire, pourquoi moi, j'ai un putain de rose bouton niveau 24, et elle a un Roselia niveau 18. À quel moment, comment on fait évoluer Rose Bouton? Si vous me dites que c'est avec le bonheur, je pète un câble. C'est-à-dire qu'il est pas heureux, mon Pokémon. Point poison, évidemment. Vas-y, fais-toi plaisir. Vampigraine. Oh là, allez, ça devient un 7 strat. Belle l'animation de la Vampigraine, en vrai. Ça devient vraiment un Pokémon strat, en fait. Normalement, je meurs pas du poison. Je devrais rester, je pense, à... 2 PV. Non, c'est un poison pas grave, donc je dirais 3 PV. 3 PV, c'est ça, ok. Et on termine avec la morsure. Astromat qui dit à MDM, t'es vraiment qu'une espèce de personne super sympa. Et puis t'es tellement sympa qu'il devrait y avoir une rue à ton nom. Merci. Bonjour Vampirix, bonsoir plutôt. Et du coup, quelqu'un peut me dire dans mon chat comment on fait évoluer du coup le bourgeon qui est rose bouton en rose rad. Enfin, en Roselia d'abord. C'est du léchage de boule, je reconnais totalement, hein, Zuralmanji, les gens qui disent que Dalida est trop bien, c'est totalement du lèche-boulage. Je reconnais aussi. Qu'est-ce qu'on a là? La maison du maître des baies, baies gratuite à déguster. De baies flambies. Je prends les baies flambies. Avec le bonheur. On fait vraiment évoluer avec le bonheur, j'ai envie de crever. Hein. Il évolue avec le bonheur de jour. Tu veux dire qu'il est pas heureux mon Pokémon là? Attendez, est-ce que le crépuscule compte comme le jour? Parce que là on est au crépuscule. J'aime pas les masques. Météo pas STP, mais y'a pas de soucis. Tant que tu dis pas que t'aimes pas Balavoine ou Dalida, ça va. Hein.
À mon avis, dans 5 minutes, on n'est plus considéré comme le jour, donc il va falloir que je fasse évoluer. Je m'appelle le maître des baies. Chaque jour, je distribue des baies, blablabla, ta gueule. Vraiment ? Ouais, la baie Sylax, c'est cool. Ouais, vas-y, ta gueule. Toi, affronte-moi. Peignons un tableau, toi et moi. Hein, une fantastique scène de combat. J'ai littéralement 4 minutes pour faire évoluer Rose Bouton. Parce qu'après, on sera plus considéré comme le jour. Achille l'artiste. Il envoie un Mime Junior. Ça donne de l'XP, ça, un Mime Junior. Bien sûr que ça donne plein d'XP à Mime Junior. Vas-y, Claude François, nous avons confiance en toi. C'est Claude François. Malheureusement, il évolue avec le bonheur de jour. C'est chiant, ça, bordel. Gainsbar en avant. Tu vas one-shot ces deux Pokémon. Mime Junior, il est type psy, hein. Psyphé, non, il est psyphé, je crois. Donc, il devrait pas quand même poser de problème, normalement. Il a rien fait. Pourquoi il a pas attaqué, ce con? D'accord, bah bref, bah roue de feu. C'est battu. Pour l'exclamation follow wage, putain, tu me suis déjà depuis 7 mois et 2 heures. Ça y est, c'est les 7 mois officiellement. Allez, Shayla. Envoie un Manzai. Non. Je vais le déboîter son Manzai. Il est type roche plante, peut-être. Dans tous les cas, c'est mort. C'est large mort. Quoi? Quoi? Ah non, c'est peut-être similaire. C'est peut-être son évolution qui est type plante. Crocolard, mais ta gueule! Ah là 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 là. Attaque! Point boost, Mach Punch, point boost plutôt. Point boost, ça devrait faire des gros dégâts s'il est rush. Voilà. Ok, maintenant, le but, c'est de donner un maximum de bonheur à mon. À ma Shayla, en fait. Il faut qu'elle monte de niveau, bordel. Vous avez battu Achille l'artiste? Magnifique! Je sens soudainement l'inspiration m'animer. Après, à la rigueur, j'ai des super bonbons. Merde, faut pas aller là. Alors, t'écris un message pendant ton ban. Déjà, sache que LMDM, tu es une immonde personne qui chie et vomit et qui pue le poisson de sushi. Peur, t'aimes pas les sushis. Attends, quoi? Ok, alors déjà, c'est super ton message. Soutien à Glursbgue qui n'est plus modo à l'heure où je vous parle. Ensuite, je voudrais poser une question. Qui m'a ban? Ensuite, je dois... C'est The Real Manji. Heureusement que tu étais là. Sans moi, mon laporeil se serait enfui. Une fois, mon lapin s'était enfui comme ça. Depuis, il est mort. Hein. Il s'est enfui chez le voisin. C'était le voisin qui nous avait ramené. Bref, allez, laporeil, rentre dans ta Pokébit, s'il te plaît. Je m'appelle Karine. Je suis l'une des juges du Super Show Concours. Passe à la salle de concours et je te remercierai comme il se doit. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va tenter de tricher. Vous êtes prêts? Vous aimez la triche? Oui, vous aimez la triche. Donc, ce qu'on va faire en gros, c'est qu'on va aller dans sauvegarde. Sauvegarder. Et regardez bien. Regardez bien comme je vais tricher. Je vais aller dans. Paramètres. Sauvegarde automatique désactivée. Je désactive la sauvegarde auto. Voilà. Et ensuite, je vais aller dans le sac. Je vais aller donner un super bonbon à Shayla. Voilà. Je lui redonne un super bonbon. Et elle n'a pas évolué. Et elle n'a pas évolué. Du coup, on ferme le jeu et on le rouvre. C'est un petit peu de la triche. Je voulais voir si avec deux niveaux, elle pouvait évoluer. C'est vraiment de la merde, hein, du coup, Rose Bouton avec le bonheur et tout. Chante-lui une chanson. Bon, j'étais mort. J'ai pas lu ton message, Kirby. Bah remets-le. Remets-le, Kirby, tout de suite. D'accord, Gabriel, c'est bien. On l'a tous fait. De quoi on l'a tous fait? On l'a tous fait le fameux coup de la sauvegarde pour vérifier si un Pokémon va évoluer ou non. Ouais, je pense. Oh, le tricheur. Oh, c'est bon. C'est pour Golry, wesh. Voilà. Et normalement, j'ai à nouveau mes deux super bonbons. Oui, j'ai à nouveau mes deux super bonbons. Ok. Mais par contre, j'ai un doute sur quelque chose. Est-ce que du coup... La sauvegarde auto, non, la sauvegarde auto n'est pas désactivée, je vais la désactiver, ouais. Et maintenant, imaginons que je sauvegarde, oui, et voilà, là on est bon. Bon, ben malheureusement, notre Pokémon n'évoluera probablement pas, à moins que toi tu aies un combat. Je viens de la région de Hoenn, je suis venu visiter la ville, ouais, ta gueule, ouais, je suis, ouais, généreux, salle concours. Tu veux que je te guide jusqu'à la salle concours? Non, je me doute où ça doit être. On peut voir le bonheur quelque part, pas vraiment. Il y a une application sur la Pokémontre qui le montre à peu près, mais on peut pas voir exactement le niveau de bonheur des Pokémon, on a jamais pu le faire.
Bonjour, bonjour, je suis le président du fan club Pokémon, c'est bien moi. Tu veux que j'offre des friandises à ton Pokémon? Attends, quoi? C'est une belle... Attendez, ça peut augmenter le bonheur, ça. Il devient plus gracieux. Il gagne du sang-froid. Et il me donne une boîte à Peaufin. Peaufin. Bon, on va dire Peaufin. Peaufin. Bref. Bienvenue au fan club. Oh, c'est toi, Claude François. Il commence à t'apprécier. Du moins, bah tiens, bah tu veux voir le bonheur des Pokémon? Bah c'est exactement ça. C'est, il y a toujours un PNJ dans le jeu qui donne le niveau de bonheur de tes Pokémon. Bah tiens, Claude François, du coup, on me dit, oh, ton Claude François, il commence à t'apprécier. Du moins, c'est mon impression. Donc, c'est à dire qu'il a un niveau de bonheur qui est correct. C'est pas fou, mais c'est correct. Gainsbourg, il en est où? Bienvenue au fan club Pokémon. Oh, ton Gainsbourg, il se sent bien. Je pense qu'il est content d'être avec toi. Bah là, typiquement, si Rose Bouton, il se sentirait content, bien d'être avec moi, bah il aurait évolué déjà. Imaginons que j'aille dans équipe. Putain, pas dans sac, dans équipe. La Pokémon montre à peu près le niveau de bonheur aussi. Déplacer et ma Shella, du coup, je pense qu'elle me déteste. Ton Shella, il commence à t'apprécier. Ouais, voilà, c'est ça, hein. Il est quelle heure? Il est 19h01, il doit faire nuit, je pense. Non? Il fait pas encore nuit? Bah faut que j'en profite en fait. C'est peut-être que à 20h qu'il fait nuit. Papa, maman. Ouais, ta gueule. Ouais, ta gueule. Allô? Comment ça, allô? Qu'est-ce qu'il y a, Lubibi? Ah, pardon, je t'ai pas dit bonjour, c'est ça? Désolé, Lubibi35. Bonsoir, bonjour à toi. Déplacer Sheila. On va mettre Claude François encore en premier, celui qui a le plus de lacunes au niveau des niveaux. Toi, t'es qui? C'est ici qu'on peut fabriquer les Peaufins. Voici mes conseils pour faire de délicieux Peaufins pour tes Pokémon. Au départ, quand la pâte est liquide, mélange-la. Quand la pâte commence à s'épaissir, remue-la énergiquement en faisant des grands cercles. D'accord. Voici mes conseils pour faire des délicieux Peaufins. Au début, quand la pâte est liquide, mélange-la doucement en évitant de renverser. Quand la pâte commence à s'épaissir, remue-la énergiquement en faisant des grands cercles. D'accord. Bah, je veux faire des Peaufins. Bonjour. Ici, vous pouvez utiliser vos baies. Imaginons que je mette une baie au rang. Une baie pêcha. B Frambi, une B Remu, et que je dise oui, on met tout dedans. D'accord. 1. C'est parti. Ah, je me souviens de ce mini jeu de merde là. Il faut pas déborder. Ok, c'est bien nul comme mini-jeu, mais j'aime bien. Ok, ça va. Ok, on y est presque. Ça va brûler plus vite, ok. Ah mais oui, là il faut faire plus vigoureusement, c'est vrai, pardon. Ok, c'est vrai qu'ensuite elle peut plus déborder la pâte. C'est prêt, ok, elle a brûlé un petit peu mais ça va. La pâte a débordé une fois, la pâte a brûlé une fois. Peaufin âpre sucré. D'accord. Imaginons maintenant que je prenne 4 baies au rang. Oui. Ah, je vais refaire ce mini-jeu, il est insane. On va donner du bonheur à nos Digimon. Ploup, 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 ploup. Donc là, on remue doucement pour pas en mettre à côté. Ok. On voit que des taches commencent à se former. Ça commence à durcir sur les côtés. À s'épaissir sur les côtés, plutôt. Ok, là la pâte commence à devenir un peu plus dure. Donc là, je peux commencer à aller de plus en plus vite. Ok. Pas mal. Là, elle a une belle couleur, la pâte. Putain, non! Non! Vite! Mais c'est affreux comme mini-jeu, en vrai! Mais c'est affreux! C'est dur! Mais c'est beaucoup plus dur que sur DS, t'avais les stylés, donc ça allait, mais là, mais c'est d'un chiant.
peau fin infecte. J'ai fait un peau fin dégueulasse, vraiment. Oups. Durcir sur les côtés. Oui, mais tu m'as compris, hein, mange tes morts. Boîte à peau fin, ouvrir. Oh. Oh. Ah, du coup, j'en ai fait 4. Donc, peau fin âpre sucré. Imaginons que je le donne à quelqu'un en qui je crois pour les shows de Pokémon. Quelqu'un qui serait une jolie petite personne plus tard. C'est-à-dire toi, là, Rose Bouton. Tu vas évoluer en un truc sympathique. La beauté et la grâce augmentent. Tenez. Sheila. Vas-y, Sheila, mange. Ah, elle est contente, ma petite Sheila. Ah, ça me fait chier, là. Lol. Donner. On va lui donner encore un. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ce que je fais, ça sert pas à rien? Genre que ça augmente, au moins un petit peu le bonheur de mes Pokémon? Un minimum, quoi. La nourriture préférée, les plats épicés, d'accord. Non, pas jeter. Pas jeter. Donner. Jeune Sheila. Allez, j'espère que du coup maintenant t'es contente et que tu vas évoluer au prochain niveau. Hein. C'est bon, tu vas évoluer? Intérêt, hein. On va vérifier. LMDM, tu dis des trucs bizarres. Comment ça, je dis des trucs bizarres? C'est toi qui es bizarre. Est-ce que maintenant Sheila m'aime un peu plus? Donc là, on va chez le fan de Pokémon. Tu me dis de remettre le message et tu le lis pas, mais tu fais exprès, c'est pas possible. Pardon, je remonte le. Dalida, c'est la. C'est de la... trop bien, trop bien. Pardon Kirby, du coup, désolé. Déteste-moi, frappe-moi. Rose Bouton en premier. Mais dans cette ville, c'est pas la ville de type spectre. Enfin, c'est pas genre la championne de type spectre ici. Ou c'est vers la fin. Oh, ton Sheila, il commence à t'apprécier. Ah putain, ça a pas beaucoup augmenté, hein, du coup. Ces courbes racées de Rose Bouton ne sont pas sans rappeler celles du grand requin blanc. Très bonne ref. Oh, c'est quoi cette merde? Il y a un musée ici aussi? Ah, c'est une chapelle. Bonjour. L'activité créatrice fatigue l'esprit. Mais lorsque l'esprit est reposé, le désir de créer revient. C'est vraiment un cycle merveilleux. Insane. J'adore ce jeu. À mon avis, si mes lives font moins de vues sur Pokémon, c'est parce qu'il y a trop de gens qui l'ont fait, mais c'est trop chiant parce que, en fait, il y a beaucoup, malheureusement, de gens qui n'aiment pas Pokémon ou qui. Ou c'est pas leur série du cœur et tout, mais ils le font en live juste parce que ça leur ramène des gens. Et du coup, ma communauté va là-bas. Ce qui fait un peu chier, j'avoue. Mais bon, ça arrive. Ça arrive, c'est pas grave. De toute façon, il y a un nouveau let's play qui va s'entamer bientôt. C'est possible que ce soit Astral Chain, d'ailleurs, le prochain let's play. Je n'en dirai pas plus, mais c'est possible. PC d'Amel. Donc, Jirachi, déjà, ça c'est sûr que jamais je vais le prendre avec moi. Vanessa Paradis, on va la mettre là. Gigi Lionel ici. Et Barbara ici. Voilà, ça me semble pas mal. Ne pas oublier de sauvegarder d'ailleurs à la fin de la partie. Parce que maintenant que j'ai enlevé la sauvegarde auto, je sens bien le coup, comme quoi je vais perdre 3 heures de jeu. Je vais aller me balader au square paisible. Oh! Oh! Square paisible, promenez-vous avec vos Digimon. C'est comme ça qu'on augmente le bonheur aussi? Mais je veux. Bonjour. Attendez, comment on y va? Là. Là. Au square paisible, vous pouvez vous promener avec vos Pokémon mignons. Et quel Pokémon souhaitez-vous vous promener? On peut y aller seulement avec les Pokémon qui nous aiment déjà beaucoup. Fait chier, hein, du coup, ce jeu de merde. Bon, bah, je n'irai pas, du coup. La reine, d'accord. Bah, c'est bien, elle. C'est la dame qui a un accent assez prononcé qui a des Pokémon de type spectre. Elle va nous poser un quiz, il me semble. Un quiz sur les Pokémon pour accéder à son arène. Enfin, une fois qu'on sort dans l'arène, il y aura un quiz. Une connerie du genre. Rose Bouton,
C'est pas le meilleur Pokémon de l'univers. Hein. Déplacé. Et on continue avec Claude François devant. Comme j'ai dit, on n'arrête pas le live tant qu'il n'y a pas au moins un Pokémon qui a évolué. Hein. Oh, je suis so sorry. Vraiment, je ne sais plus où me mettre. Tu comptes vraiment participer au Super Show concours? Tu vas voir, c'est fun. Ouais, non. Il s'avère que Chimera, la championne d'arène d'Union Police, est aussi une pro du Super Show. Et c'est toi, Chimera. Ah, je sais de quoi je parle, parce que c'est moi, Chimera. Tu veux me défier? Why not? Mais d'abord, tu dois devenir plus fort. C'est vraiment une merde, hein. Tu dois devenir plus fort. Je fais le combat ou pas? Comment ça se passe? Ah, te voilà, parfait. Loïc, tout va bien, mon loup? Mais c'est ma mère. C'est ta mère. Mais maman? Oh, c'est ta mère. Attends, non, c'est pas possible. Ingrid, ta maman? Elle s'appelle Ingrid. Oh, c'est pas très beau, hein. Et alors, tu dois connaître le super show concours sur le bout des doigts. Elle n'a jamais parlé du super show concours, d'accord. Ah, mais du coup, c'est une professionnelle, en fait. Ah, ta gueule. Prends ceci. Un saut sortilège C, c'est nul. D'accord. Si tu as peur de te lancer, tu peux commencer par faire une séance d'entraînement au super show concours. Mais j'ai pas envie de jouer à ta merde, moi. Ça m'étonne de te... Ça t'étonne de me voir ici, mon loulou? Je m'ennuyais, alors je décidais de venir m'amuser à Union Police. Mais je m'attendais pas du tout à te croiser. Par contre, si tu comptes vraiment participer au super show concours, tu dois changer de tenue. Il faut suivre l'exemple de ton Pokémon et te pomponner. Enfile ça pour épater la galerie. Non mais c'est de la merde. Non mais ta gueule. Maman, ta gueule. Ta gueule, maman. Voilà. On va plutôt aller voir la championne d'arène de Union Police. C'est ici. Let's go. À quand un Pokémon qui s'appelle Gérard Lenormand? Bah, quand il y aura possibilité d'avoir un Pokémon qui ressemble à Gérard Lenormand. Let's go, hein. Qu'est-ce que je fous, là? Salut, jeune dresseur. J'imagine que tu es venu défier la championne d'arène. Ça m'ennuie de te le dire, mais ça va pas être possible. Tu te demandes sûrement pourquoi? Réponse simplement, la championne n'est pas là. Reviens une autre fois, je ne bouge pas de là. D'accord. Y a pas de souci. Donc je suppose qu'il faut obligatoirement que j'aille faire le super show concours. Comment je m'inscris? Là? Vous entraînez, demandez des informations. Non, j'ai pas envie de m'entraîner, c'est nul. Moi, je veux jouer. Tu comptes t'inscrire au super show concours? Tu as une boîte à peau fin? Très bien. Laisse-moi t'offrir ce merveilleux peau fin. Le peau fin doux. Ouais. Et je veux pas de séance d'entraînement! Je me doute à quoi ça ressemble, une séance de merde. Bienvenue à la salle du show concours, vous êtes au bon endroit. Inscrire un Pokémon. De quel type de concours voulez-vous participer? Concours de grâce. Et évidemment, du coup. À quel niveau souhaitez-vous l'inscrire? Au niveau. Au niveau méga, pour l'instant. Hein. Vous pouvez encore passer. Non, mais ta gueule, mais. Mais si je ne peux pas participer! Pourquoi tu me proposes? Est-ce que tu veux participer? T'es con ou quoi? Concours grâce? Mode normal? Putain, mais c'est vraiment de la merde, ça. Hein. Sheila, en avant. Tant que votre Pokémon manque d'enthousiasme, le nombre de points de show que vous recevez augmente de 2. T'as quoi? Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. L'enthousiasme ne baisse pas pendant 5 secondes. Aucun effet additionnel. Ok. Choisissez la capsule ball que vous souhaitez utiliser lors de ce concours. Enfin, veuillez sélectionner un look. Let's go. Bon, la capsule ball, je les ai pas encore modifiées. Hein. Bonne chance. Look show concours. Wow, c'est magnifique. Ça y est, le super show concours. Concours de grâce au niveau normal. Voilà, je vais pas tous me les taper. Hein. Y a aucun moment de l'univers où je vais tous me les taper. Le duo numéro 2, Gaston et Choupi. Ah, c'est par deux. Ok. Ça me va. Billy et Mastoc. José et Tortillard. Ça, c'est gracieux, tu trouves? Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rythme? C'est un jeu de rythme? Mais c'est insane! C'est ça, le super show concours? C'est plus des combats?
Trop rapide. Comment ça trop rapide? Attendez. En vrai, c'est cool. Et là, je garde enfoncé. Mais sortez un jeu... Mais en fait, en réalité, sortez un jeu Pokémon comme ça. Genre, je suis sûr que s'ils sortent un jeu de rythme Pokémon, les gens, ils vont aimer. Ok, ça passe. J'ai déjà vu mieux comme jeu de rythme, mais c'est cool. C'est un jeu de rythme à un seul bouton, donc c'est chiant, mais... Ouais, j'avoue que c'est un peu long, peut-être. C'est un jeu de rythme à un seul bouton. Ok. Et là, si je fais un perfect, ce serait insane. C'est gagné ? On a gagné ou pas ? Quel dommage, ce show ne s'est pas passé comme prévu. Show concours raté, quoi ? C'est vraiment de la merde. Le prix revient à José. Et pourquoi ? Bonsoir David Reis. Alors attendez, on va faire autre chose. On va aller dans la déco capsule. On va décorer la capsule pour gagner des points supplémentaires. Que voulez-vous faire? Coller des sauts. Ce saut libère un étrange champ magnétique qui lévite, ou lévite des fragments rocheux. Non, en vrai type plante plutôt. Type plante. Ça c'est type plante. Ça c'est de la fumée, c'est nul. Et des pétales, c'est beau ça. Le saut libère des tourbillons de pétales de rose. Un tourbillon de pétales violet, j'adore la couleur violette. On doit en mettre vraiment partout. 5 sur 20, ok. Et ensuite. Je comprends pas ce que je fais. Je comprends pas du tout ce que je fais, c'est insane. J'adore ce jeu. D'accord. Mais encore. Qu'est-ce que ça... À quoi ça sert? Tiens, je vais te foutre là, toi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je comprends rien. J'ai envie de pleurer, je comprends rien à ce que je fais. Ça sert à quoi? Ça fera des animations en combat ou... Ou c'est vraiment juste d'être déco nul? La bite. Jeu de rythme genre Osu? Ouais non, genre un bon jeu de rythme. Pas Osu quand même, peut-être pas exagéré. Voir l'animation. Ah! Ah oui, d'accord. Ok. Ça met des petits pétales. En vrai, on peut rajouter ça. Hein. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Voilà, on a une belle Pokéball. Maintenant que j'ai fait ma petite décoration, on y retourne. Souhaitez-vous participer? Évidemment. J'inscris mon rose bouton. À un concours de beauté ou de grâce? Concours de grâce. Alors que vos mères, elles s'inscrivent à des concours de graisse. Je sais pas si vous le saviez. Sheila. Et du coup, l'enthousiasme ne baisse pas pendant 5 secondes. Point de show. Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. L'enthousiasme ne baisse pas pendant 5 secondes. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Veuillez sélectionner un look. En vrai, il est magnifique, mon perso, comme ça. Et GS, salut Shadowred, bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Niveau normal. Le duo numéro 1, Loïc et Sheila. Numéro 2, Isabelle et Moustache. Ok, je suis avec Isabelle, let's go. On a l'enthousiasme du public pour l'instant. Le duo numéro 3, Jakku et Ouhou. Putain, il est géant. Et le numéro 4, Gaëtan et son Tortile. Je m'appelle Gaëtan. Je m'appelle Guitare, là. Ok, visiblement, on a déjà des points d'enthousiasme du public. Let's go. Capacité du concours. C'est quoi la capacité du concours, du coup? Attendez. Capacité du concours maintenant. Sheila nous en met plein la vue avec sa capacité parasport.
Ça nous fait gagner de l'amour. Je sais pas si c'est utile. Et en fait, j'avais pas fait ça tout à l'heure. J'avais pas été très bon sur le jeu de rythme en tant que tel. J'avais pas décoré ma capsule ball. Et en plus de ça, j'avais pas utilisé mon attaque spéciale. Donc vraiment, je comprends que j'ai pué la merde. Alors là, j'ai pué la merde très fort. Vite. Toujours plus d'amour. C'est beau l'amour. Parfait. Et là du coup on a gagné. Show concours réussi. Quel show mes amis, quel succès. Les participants vont recevoir des points de réussite pour cette belle performance. Ah let's go. Alors c'est pas beaucoup. L'heure est venue de décerner le prix d'excellence. Le prix revient à Loïc et Sheila. Ah bah let's go. Ça va, j'ai eu une fois où je me suis loupé, mais sinon ça a été. Félicitations pour votre prix d'excellence. Voici votre récompense, le sceau de grâce à... Nous espérons vous compter parmi nos participants une prochaine fois. Non. Je peux me barrer du coup? Ça y est? Il faut que je fasse quoi pour aller trouver la championne d'arène? Bon bah tant pis, pas de championne d'arène. Là on a quoi? Porte S du square paisible. Mais j'ai pas envie d'y aller à votre square de merde. De toute façon, je peux même pas y aller avec mes Pokémon parce que vous ne les acceptez pas. Bande de gens racistes. Vous aimez pas Rose Mouton, c'est ça? Moi non plus d'ailleurs. Oh! Oh non, bon. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il fait à Fabrique là, Fabrice Lucchini? Ah enfin! Tu m'as encore fait attendre, Loïc. Allez, on va voir à quel point t'as progressé ici maintenant. T'es un dresseur maintenant. Et tu dois toujours être sur le qui-vive. Alors ne pleurniche pas, on ne s'enfuit pas. Bon. Bah, let's go. Lucchini envoie un étourmi. Mais il a même pas fait évoluer en étourvol, c'est une honte. Vas-y François, j'ai confiance en toi. Ça rime toujours. Let's gong, Belvito. Il a 4 Pokémon. S'il n'y a pas un des Pokémon qui évolue à la fin de ce combat, vraiment, c'est que ce jeu déjà c'est de la merde. Et en plus je vous offre un sub. Ouais en fait non, s'il a que des Pokémon de merde, peut-être pas. Ouais, non, peut-être pas. Oh, en fait, j'ai peut-être dit de la merde. Ouais, non, venez, j'offre rien du tout, c'est bien. Pas mal. Mais moi aussi, je vais te montrer un truc génial. C'est ma bite. Regardez un peu comme elle est grande et grosse. Utilise étincelle. Allez. Oh, je l'ai pas one-shot. Oh, nul. Les pièges de rock. D'où il joue strat, le mec? Mais d'où il joue strat? C'est normal que ce jeu. Charge. Ça, c'est la meilleure attaque du jeu, hein. Charge. On le rappelle. Le Primplouf et Mikao. De l'XP. Un max d'XP maintenant. Ça va. Il reste 2 Pokémon. Lucchini envoie Roselia. Je garde toujours mon petit Pokémon. Oh putain, mais même lui, il a un Roselia. C'est honteux, hein. Morsure. Ça tue pas. Non, ça tue pas. C'était sûr que ça tuait pas. Il a eu la trouille. Donc il a pas pu attaquer. Et moi, je termine là-dessus. Pour l'instant, il est très très châteux, hein, mon Lixi. Je dis pas ça parce que c'est un chat, lol. Ah, c'est drôle, ça. Véronique Sanson niveau 25 et Claude François niveau 26. Allez, une petite évolution là, non? Ce serait cool. Lucchini envoie Ponyta. Bah du coup, oui, on va changer. J'ai pas de Pokémon de type O. Non, attends. J'en avais pas capturé un. Kyonotor, quand même. Ah ouais, non, j'ai pas de type O. J'ai pas fait gaffe à ça. Ah bah si, mais oh là là. Oh la merde que je suis. Oh, je suis vraiment une merde. Et bien sûr, j'ai Véronique Sanson en fait. Et oui, évidemment, Sanson, bah évidemment. Pardon, Belvito. Les gens sont plus intelligents que moi, ça fait plaisir. Et il envoie Ponyta. Et du coup, on peut terminer le match avec Véronique Sanson, qui va faire un petit Aqua Jet. Prioritaire. Je pense que ça tue. Hein. Ah putain, ça tue même pas. C'est vraiment de la merde. Charge. C'est pas ça qui devrait me faire trop... Qui devrait me faire trop dégâts. Oh, j'arrive plus à parler. Je n'arrive plus à parler, désolé. Pas question de laisser tomber. Et pistolet à eau pour finir. Pour voir qui est le plus rapide. Et bah, c'est Véronique Sanson. C'est super efficace. Qui va évoluer? Jean Ferrat niveau 20 ne peut plus évoluer de toute façon. Donc là en fait l'évolution ça va se passer soit au niveau de Sanson, soit au niveau de Claude François. On y croit. Vous avez battu Lucchini le dresseur. Oh mais c'est quoi ce délire? J'ai perdu. Ouais parce que t'es une merde. Évolution s'il te plaît. Putain pas d'évolution. T'as encore mis mon équipe KO. Je peux dire adieu à mon rêve de devenir le plus grand dresseur de l'histoire.
C'est pas le moment d'abandonner. Je vais m'endurcir. Pardon. Pardon. Je vais m'endurcir et progresser. Un jour, j'y arriverai. Allez, je pars m'attaquer à la reine de Voilaroc. A plus, Loïc. À la prochaine. Attends, il a déjà le badge, du coup? Non. Il part à Voilaroc? Mais moi, j'ai pas le badge d'ici. Voilà, comment tu veux que... Attends, quoi? Il va s'endurcir parce qu'il était mou, le combat? Lol, c'est drôle, ça. Je ne saurais pas te dire, mais ce que je suis sûr, c'est qu'elle va revenir. Si t'allais visiter d'autres endroits en attendant, désolé, j'aurais aimé pouvoir t'aider, mais je suis nul en conseil. Insane, hein. Route 209, c'est un dresseur? C'est pas un dresseur, ok. Bon, bah j'aurais vraiment fait évoluer aucun Pokémon pendant ce live. Ah, je suis dégoûté. Route 209, Union Police, bah c'est là d'où je viens. Dernier combat du jeu, dernier combat du live, et ensuite on s'arrêtera là. Je sais que le live était un petit peu plus court que d'habitude. Richard, l'éleveur, veut se battre. Première fois qu'on affronte un éleveur de Pokémon d'ailleurs. Il envoie un petit Manzai, ça devrait le faire. Petit proche, une petite morsure, ça le fait. Hein. Pourquoi mes Pokémon n'évoluent pas? Ça rend de la merde ce jeu. Il a 3 Pokémon, donc 3 fois plus de chances de potentiellement faire évoluer mes Pokémon. Oh, vraiment. Gigotage? Elle existait déjà à l'époque cette attaque? Là c'est stabé, donc forcément ça tue. Ouais. Il envoie rose bouton, je ne change pas, on le déboîte. Mais attends, comment c'est possible que le jeu t'envoie un rose bouton maintenant alors que le combat d'avant, il nous envoie un Roselia? Le jeu régresse, c'est fou ça. Ça devrait pas être le cas, ça devrait être encore des Roselia. Putain, pourquoi le jeu est facile et redevient de plus en plus facile avec le temps? C'est nul. C'est con. Il envoie un Pichu, ouais vas-y, allez, envoie un maximum de Pokémon nuls. Pichu. Après je comprends le principe en vrai. Parce que c'est un éleveur, du coup il a que des Pokémon bébés qui n'existaient pas dans la Gen 1. Donc il a Pichu, Manzai et Rose Bouton. Donc, en vrai je comprends le principe sur ce dresseur, mais j'accepterai plus de rencontrer un autre Rose Bouton d'un dresseur ou dans les herbes. Hein. Et vous avez battu Richard. Bon. Sheila, elle en est où niveau? Niveau, oui. Mais niveau son level quoi, niveau expérience. Résumé. Oh, elle va évoluer dans 80 points. Je propose qu'on fasse une sauvegarde. Et que la prochaine fois, c'est-à-dire demain, je lance mon live 5 minutes plus tôt. Pour être sûr qu'on soit avant 19h. Donc qu'elle puisse évoluer à 17h50. Sauvegarder. Sauvegarder la partie, évidemment. Et du coup, je vais vous raid chez Mas quand même. Et bonjour Sneaky. Oh punaise. Sneaky, bonsoir à toi. Comment va? Je suis désolé, t'arrives en pleine fin de live. Mais demain, je relance évidemment à 18h sur Pokémon. Donc si t'es là demain, Sneaky, y'a pas de soucis. Bref, du coup, je vous envoie chez General Mass. Hop, slash raid. Il fait du Mario Odyssey. Il voulait faire une ROM hack de Super Mario en mode FPS, de Mario 64 en mode FPS, donc Mario avec un flingue. Mais finalement, il ne peut pas la faire parce qu'elle a un bug, visiblement. Bon, du coup, je vous envoie quand même chez Mass. Mais let's go. Let's go, let's go. General Mass. Et je vous fais des gros bisous, et puis à demain 18h les jeunes. Rejoignez le raid évidemment pour des points de chaîne gratuits. Au revoir, bonne soirée à tous.